Alors, bon, putain, 3 quêtes, les gars. Je lance la première. Alors, je suis pas dans des primes. Mon nom est Dietmar von Heinrich Zimmer's Knight. Je suis à la recherche de la vérité. Et je tourne un documentaire sur la chasse. Sur fond, vous allez capturer des monstres têtes. Et j'enregistrerai mes commentaires. J'ai installé des cages. Trouvez-les. Ensuite, on a un œuf dans la face. Ici Dietmar von Heinrich Zimmer's Knight. Il me manque une scène pour le documentaire que je tourne sur vous. Un guerrier qui ramasserait des œufs et un cœur de ciblade d'or. Voir des gens ramasser des œufs. Allez m'en chercher et je raconterai votre descente jusqu'au jaune et moelleux de la mort. Tu ne parles pas notre langue. Désolé, je suis l'un de ces bandits indigènes que tu t'amuses à prendre pour cible. Tout va comme tu veux. Si tu veux bien, il y a quelques créatures rares et irritantes que j'aimerais bien te faire tuer pour moi. Bon, je peux pas vraiment te dire où ni quand elles vont se montrer, mais je peux te proposer de croiser les doigts et de garder les yeux ouverts. Ça te va ? Eh, si on rencontre du contact et qu'il faut, faut tuer, ça sert à rien avec les véhicules, hein. Ouais ? Ah ouais. Pourquoi ? C'est de la merde. Mais disons. Bah. On l'a bien dessus, mais on n'arrive pas à le tuer ce machin. Ouais, regarde dehors. Vous avez pris les bonnes tourelles aussi ou pas? Bah écoute, moi j'ai pris Coro et lui il a pris Flanflan, donc il y a que ça, hein. Non, il y a rien. Regarde, on lui fait rien du tout. Non, mais vous le touchez pas aussi, vous êtes des sacs à foutre. Ah si, moi je vois tous les hits qui sortent là. Bah ouais, même chose. Moi. Mais vous êtes... Oh, ça vous prenez dans la gueule. Alors, des œufs de vagabond. Ouais, si quelqu'un peut me récupérer, il faut qu'on... Attends, où est-ce que c'est... Ouais, c'est... Il doit y avoir une zone qui doit en être plein. Par contre, c'est stylé l'animation pour monter, j'aime bien. Ouais. Ah, ici, là, on les voit. Eh, vous avez essayé de leur foncer dessus, tout simplement, avec un coup de booster? Ça marche pas. Seul le chasseur de l'arche saurait nous dire pourquoi il ramasse des œufs. Par ennui, par sens de la justice, parce que je le paie pour ça. Nous ne pouvons que spéculer. Ça fait un peu quête FedEx, hein. On a trouvé 23 trucs. Ça va être trop bon. Allez, on profite de la table de montage pour vous épargner la quête FedEx qui est sûrement la plus chiante du jeu. Je crois qu'en tout, là je viens de vous faire sauter quasiment 17 minutes, j'ai regardé, ou 16 minutes 50 à peu près de souffrance. Et je vais remplacer ça, comme vous le savez, comme je le fais régulièrement, par un reportage sur, à tout hasard, l'une des plus belles régions de France. Allez, je vous laisse profiter. Je trouve que là, ouais, un truc pour moi, ils ont vraiment réussi, c'est les rayons du soleil. Et là, tu vois le gros vendu qui te vend de la RTX. Ouais, mais tu savais qu'une RTX, ça serait encore plus joli, hein. Bah non, parce que... Enfin, c'est pas la RTX, ça va pas rendre tous les rayons du soleil beaux, elle va rendre ceux qui ont été codés avec le code de la RTX, en fait. Je sais. Donc pour Borderlands, bah ça change rien. Putain, par contre, c'est sombre, hein, putain, ici. Ouais. C'est quoi ces choses dégueulasses? Des bourroques féroces. Ah bah écoute ça. Ça nous fait une belle jambe. Et l'autre s'est fait ouvrir le cul par piège mort. Il y a encore un œuf.
qui nous en fait 19, je crois. Dans cette scène, j'ai cherché à capturer l'essence du chasseur de l'arche. Qui est-il? Que représente-t-il? Que se passera-t-il une fois tous les œufs ramassés? J'espère que ces questions tarauderont le spectateur jusque sur son lit de mort. Descends dans la poussière! Ah, leur point faible, c'est sur leur joue. Je t'entends pas! Oh putain, j'ai oublié que j'avais plus mon pouvoir. Oh. J'aime mes trésors comme mes steaks! Seigneur. Ah putain, je trouve que c'est, par contre, de toutes les zones qu'on a fait, c'est vraiment celle qui a le plus de problèmes de murs invisibles. C'est une catastrophe. Ouais. Tu vois vraiment que ça n'a pas été codé. Déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup sur les autres, mais je trouve que ça a été, c'est encore pire sur celui-là. Je suis d'accord aussi. Créature du démon. Créature du démon. Tu écrases. T'es revenu le vieux Narsef ou pas? Bien sûr, je suis là. J'ai un mec pour toi. Bonsoir. Voilà, je veux dire, quand je lui mets des roquettes à 100 000 de dégâts, ça lui enlève genre 1% de sa vie. Ah oui, attends, j'arrive. Parce que j'étais en train de chercher des œufs, j'avais parti chercher des œufs, il y avait des œufs. Il fait mal en plus. Non mais ouais, ça, lui c'est vraiment... De la castagne, de la castagne. Allez, mon bac, tire-moi dessus. Ah, je suis sérieux, tire-moi dessus. Hein. Parce que comme ça, ça fait descendre ma vie. Il est temps de se lancer. Voilà, comme ça. Oui, je te savais. Ah, mais il reprend sa vie en fait, regarde. T'as pas vu sa vie, elle descendait, elle remontait, elle faisait yo-yo. Deux choix s'offrent à vous pour faire sortir ce Borok amateur de chair humaine. Vous pouvez attirer un sauvage dans sa tanière et l'appâter ainsi, ou vous pouvez vous infliger une blessure et laisser l'odeur de votre sang réveiller la bête. Bah... Ouais, wow, on tue Narsef et puis tu le restes quand le bestiole arrive. Oh. Les gars, il est devant nous le monstre. Je vois une brutale. Non, c'est pas ça, c'est pas le scalion ça. Si, ah, il s'appelle Bultos, à mon avis, c'est ça.
J'adore ton sang. Eh, fais-moi mal. Non, je crois pas que ce soit ça le monstre. Peut-être que si, j'en sais rien. Rien, j'en sais rien. Ah, c'est parti, on va calmer tout ça. La douleur, c'est par là. J'avais pas la bonne tête d'activer, moi aussi, forcément. Il manque plus qu'un œuf. Sur mon arcef qui l'a mangé, ça encore. Ah oui. Tu m'as vu faire un feu quelque part? Tu sais que t'es un soldat, t'as pas besoin de faire des feux pour manger les trucs. Puis bon, je cru. Ouah, les œufs, c'est dégueulasse, hein, je trouve. Avec ça. La coquille. Qu'est-ce que je dis? Je te le laisse, c'est dégueulasse. T'as jamais essayé de faire quand t'étais gamin un comme Rocky, de casser des œufs, de jamais. Mettre. Jamais. Bah, dans la bouche. Ouais, je valide la quête. Un bon broc carnivore est un broc carnivore mort, ou un broc très rare qui se fait frapper Kevin. Beau travail, beau travail. Non, on peut mentalité. Pas. Ah, on n'est pas allé par là, ouais. Bah, c'est pas de là où on vient? Non. Nous, on est venu d'au-dessus. Ah, ouais. Il est là, l'œuf. Oh, je suis bloqué. Non, c'est bon. C'est bloqué. Le dernier œuf est ici. Oh, mais que vois-je? La reine dont notre courageux héros a volé les œufs. Oh, on n'est pas très contente. Tu es Arizona. Oh là, qu'est-ce que c'est moche ça. Bah viens voir ici. Là. Ça, je suis bloqué. Je trouve ça moche. Ah. Ouais, il est pas, il est esthétiquement beau, mais alors putain techniquement. Ouais, même là, là, c'est quoi ce trou moche là? Il s'arrête quoi? C'est bizarre. Hein. C'est un trou de balle. Excusez-moi. Par contre, bah visuellement, ça a de la gueule. Ah, visuellement, ça en jette, ouais. Undercaria, ça c'est pas un bar à moxie, hein. Comment ça y a pas de bar à moxie ici là? Ah non, ah, quel DLC de merde, désinstallez-moi ça, ça tout de suite. Je vais quand même y aller par curiosité. Bah, je pense plus que les mages, ça a l'air d'être une grosse dodo. Voilà. Ah, c'est peut-être la fille à moxie. L'autre fille? Elle en a qu'une. Bah oui, je suis pas. J'ai dit l'autre, j'ai dit la fille à moxie. Encore, encore. Attends, laisse-moi juste prendre la hache. Ah. J'arrive. Il y a du monde ici là. Ah bah, et leur truc de chauve-souris là, tu peux pas t'en défaire, c'est quoi cette conne? En fait, ah non, c'est un monstre, ah, putain, c'est le mec quoi. Ah, je crois que c'était un effet en fait, en gros je peux tenter juste de l'éviter, t'es d'attendre quoi. Enculé de Chupacabra. 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 Oh, c'est quoi ça? C'est un coq. T'as vu que même les dessins ils arrivent à bugger? Je la sens bien. Tu ne me contrôleras pas. Casse-leur le piston. Waouh, non mais t'es... Y'a pas que la texture qui est codée avec les pieds. Mais y'a de gros problèmes hein. Ce DLC ouais. Le mec, j'ai quand même mis 5 coups de crosse dans la gueule, il a pas branché. Hein. Et il lui restait plus de vie. Hein. En fait, le jeu le considérait que je le touchais pas.
Ah oh, regarde, il y en a encore un neuf ici. Ouais mais maintenant on fait bon, parce qu'en fait je te dis, il en faut popper beaucoup plus que nécessaire. Comme ça dès que t'arrives à 23, bah c'est bon quoi. Enfin ça j'ai besoin de toi pour défoncer celui-là là. Ouais, j'arrive. Allez, je vais en faire parler. Il doit y avoir un truc. Ouais, je sais. Attention, toute attraction entraînera. Je voulais voir si c'était réellement le dernier avertissement. Oh, hey, il y a une petite grotte ici. Ah, regarde, juste en bas, bouge pas. Attends, je vois, regarde. Je termine. Ah, tu le vois l'ascenseur ici. En face, là. Tu vas où? Tout le monde est mort. Par contre, c'est chiant de trouver aucune machine pour vendre le stuff là. Ça fait au moins 5 minutes que mon inventaire est plein. Je peux rien vendre. Effectivement, ça peut être handicapant. Non, mais ce qui nous manque en fait, c'est l'équivalent de bâton de retour ou d'os de retour, tu sais. Juste pour se téléporter dans une ville en deux clics quoi. Donc comme ça se sent ça, là. J'ai jamais été patient. T'as même là, t'en as pas. Hein. T'as lancé le gaffe de best Arizona. Ah, c'est une quête, ça, Arizona. Ah bah c'est... Oui, c'est elle qu'il faut qu'on tue. Celle qui a pendu tous les œufs. Ah, je savais pas du tout. Hein. Ouais, salaud, je suis sûr que ça va. Non, de toute façon, le temps qu'on la tombe, ça va être fini. 54 PV, hein, donc je suis pas sûr. Hein. Est-ce que le temps qu'on la tombe, ça sera bon? On va prendre... Oh, putain, la vache! Je suis rempli de... Alors, est-ce que c'est pas de prendre des dégâts? Oh la vache, je lui mets pas de dégâts, elle est trop haute! Bah t'as hache, faut que tu penses de l'âge, t'as hache sur la gueule. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, elle vient de prendre une life d'un coup là. Mais j'ai l'impression que pareil, leur barre de vie est buggée, c'est-à-dire qu'ils payent rien, ils perdent rien, puis d'un coup, poup, ça descend. Est-ce qu'elle a un point faible? Robotique, putain. Ah mais sérieux, tu la touches là, mets-lui dans la gueule. Ouah, 700 000, j'ai... Oh, merci Magno. Mais de rien. Ah, puis d'un coup elle va crever, ça va, elle va tomber à zéro d'un coup. Ah, je mets 425 000 et qu'on enquête, hein. Ah oui. Et les jeux sont réunis. Tandis que cette scène brutalement réaliste se termine,
le chasseur de l'arche me rapporte son butin, bien décidé à réclamer sa récompense. Tiens, bah attends, attends, le truc des cages, il n'y a pas un autre truc avec ça là? Ah si, c'est bon, là je peux utiliser 26... Ouais, mais c'est le truc, mais je sais pas ce que ça fait ça. Ah bah, il l'a fait sans réfléchir. Et là, ça donnait quoi? Bah, il a mis de l'iridium dedans, en fait, super. Ça a fait le 3ème ou 4ème, je me fous, je claque 25 d'iridium à l'intérieur. Je sais pas à quoi ça sert. Mais qui est con. Bah attends, ça lui donnera peut-être plus 500 d'iridium quand il aura fini, il en aura plus que deux yeux pour pleurer. Hein. Et alors, panneau des quêtes. Un bourroc, une cage de l'art. Van Arien n'est pas son nom de naissance, vous le savez. Son vrai nom contient tellement de syllabes que vous mourriez d'inanition en avoir le temps de finir de prononcer. La version Director's Cut de ce film durera 14 heures. Donc la deuxième, trouver des œufs pour Dieter von Heinrich. Ce n'était pas une mission facile, vous êtes la véritable œuf dure. Le chasseur de l'arche reçoit sa récompense, et pourtant, cette histoire, pleine de viscères, n'est pas encore terminée. Oh, chiotte, la première loi! Ah, je le trouve très joli, mais par contre, il commence un peu à me gonfler, ce DLC. Ouais, je suis d'accord. Tiens, je te dis, on va faire une petite pause, ça nous fait un plus grand bien.